Merci. Je voudrais, avant de commencer, présenter mes condoléances à tous ceux qui ont perdu un être cher dans cette pandémie et prier pour le repos de l'âme de ceux qui nous ont quittés. Comme vous vous y attendez, je vais m'apesantir sur les aspects cliniques en commençant par les aspects thérapeutiques. Actuellement, l'analyse de nos données porte sur 838 patients et non sur 559 comme la fois passée. Et parmi ces 838 patients, nous avons 727 patients âgés de plus de 12 ans. Et les résultats que nous avons obtenus à propos de l'utilisation de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine se sont davantage confirmés avec cette série plus importante. C'est vrai, la durée médiane qui était de 10,5 jours est en ce moment à 10 jours, versus 12 jours si le patient n'avait pas pris le traitement indiqué. Mais avec une différence statistiquement très significative, je ne rentrerai pas dans ces détails techniques. C'est aussi un traitement bien toléré parce que la prévalence des effets secondaires est entre 2 et 3%. Et plus important encore, tous les patients qui ont pris ce traitement en stade précoce de la maladie n'ont pas eu de complications et aucun n'est décédé. Ces résultats sont importants. C'est vrai. Il faut empêcher la survenue de complications, la survenue de décès, mais la réduction de la durée d'hospitalisation a un impact sur le psychisme du patient. Quand on dure dans un centre de traitement en isolement, à la longue, ça peut entraîner un stress qui peut être préjudiciable. Donc réduire cette durée d'hospitalisation, ne serait-ce que de 2 jours, est un élément important. L'autre fait que je voudrais souligner, c'est que, vous ne l'ignorez pas, il y a une tension sur la disponibilité de lits au niveau des centres de traitement. C'est pour cela que la prise en charge à domicile est encore indiquée en ce moment. Il faut s'adapter au contexte. Libérer des malades nous permet de prendre en charge aussi d'autres malades qui ont des facteurs de gravité ou de facteurs de survenue de complications. Et enfin, sur le plan économique, chaque malade coûte très cher à l'État. Avec ces réductions de 2 jours, c'est plusieurs milliards de francs CFA qui seront économisés par l'État du Sénégal. Je parlais tout à l'heure à un de nos spécialistes en économie de la santé pour lui dire de faire une étude là-dessus. Donc nous allons continuer ce traitement. En sachant bien sûr qu'il faut continuer en faisant un essai clinique. Si on s'était basé sur l'essai clinique, on n'aurait pas commencé le traitement jusqu'à ce jour. Pour preuve, il n'y a aucun traitement validé au niveau mondial au moment où je vous parle. Même l'OMS n'a pas encore terminé son étude. Tout ceci pour expliquer pourquoi agir en tant que médecin peut parfois être différent d'agir en tant que chercheur. Mais en dehors des traitements, je voudrais parler des signes cliniques. Au début, on se focalisait beaucoup sur la fièvre et les signes respiratoires, l'éternuement, la toux, les difficultés respiratoires. Mais chaque jour qui passe nous montre que plusieurs types de signes divers et variés peuvent être observés, ayant trait à l'atteinte d'un appareil ou de plusieurs appareils ou systèmes de l'organisme. Je ne vais pas détailler tous ces signes, mais 2 signes ont attiré mon attention. C'est l'anosmie et l'agésie. L'anosmie, c'est la perte de l'odorat. L'agésie, c'est la perte du goût. Plus précisément, on trouve de la perception du goût du salé, du sucré, de l'amer, de l'acide et même du goût du glutamate de sodium. Ces signes sont évocateurs de COVID-19 durant cette période. Je ne dis pas spécifique parce qu'on peut les voir dans la grippe et dans d'autres pathologies. Mais dans plus de 50% des cas,
les patients qui présentent ces signes, quand ils sont testés au COVID-19, s'avèrent véritablement être infectés par le virus SARS-CoV-2. Je vais donc inciter à ceux qui présentent ces signes de s'auto-isoler pour éviter de contaminer leur entourage, mais aussi de saisir la cellule d'alerte pour que le nécessaire soit fait pour une meilleure prise en charge dans les meilleurs délais. L'autre élément sur le plan clinique qu'il me paraît essentiel de souligner, c'est la possibilité de survenir de séquelles. Les séquelles peuvent être de plusieurs ordres. Même si ce n'est pas courant, c'est important d'avoir cela à l'esprit. Et je le souligne parce que j'aimerais que les patients qui ont eu un rendez-vous, que ces patients-là respectent ces rendez-vous qui leur sont donnés. Je peux donner l'exemple des séquelles respiratoires, la fibrose pulmonaire qui peut survenir chez des patients qui ont eu des lésions pulmonaires étendues durant la maladie. Un rendez-vous leur est donné en général 3 mois après la sortie pour faire le bilan de la situation. Et ceux qui n'ont pas eu de rendez-vous doivent également consulter s'ils sentent un signe qui leur paraît anormal même plusieurs mois après la guérison. Ceci dit, avant de terminer, je vais pour une fois répondre à 3 questions qui m'ont été posées. Habituellement, je ne le fais pas, mais je pense que je vais prendre la liberté de le faire aujourd'hui. La première question m'a été posée par Saleh Gueye de Senebep, qui pose des questions à propos du COVID organique, où il parle de lenteur. Nationalement, à l'heure actuelle, même l'OMS n'a pas fini son étude. Alors, que dire d'une étude qui porte sur un produit dont on ne connaissait pas encore tous les constituants? Il y a des études précliniques qui ont été menées sous la houlette du directeur de la pharmacie et du laboratoire. Et probablement, dans les jours ou semaines à venir, nous recevrons le rapport. Et à partir de ce rapport, nous verrons comment asseoir un essai clinique, parce qu'il faut évidemment tester le COVID organique, mais aussi l'Artemisia du Sénégal. Donc, le processus suit son cours. La deuxième question, c'est celle de Awa Gueye de RFM, qui pose des questions, je crois, en rapport aux différents aspects de la maladie. Oui, nous avons une mine d'informations sur cette pathologie, mais évidemment, nous ne communiquerons publiquement que sur des éléments qui permettent de donner des recommandations ou des conseils. Il ne sert à rien de vous donner des chiffres sur tout ce que nous avons. Par contre, sur le plan scientifique, toutes ces données feront l'objet de plusieurs publications qui vont être faites en temps voulu. Et tout ceci, c'est quelque chose également qui prend du temps. Et la troisième question, c'est celle de Al-Hassan Ba, de TFM, qui me demande de lui dire, pas sérieusement, mais très sérieusement, si je suis d'accord avec les mesures prises par le chef de l'État. Comme je l'ai répété au niveau de la presse nationale et internationale, le technique a pour rôle de conseiller et d'accompagner un processus. Il n'appartient pas aux techniques de dire est-ce qu'il est d'accord ou pas d'accord par rapport à une décision de l'État. Pour la simple et bonne raison que le scientifique, même si je vais utiliser un mot péjoratif, est quelque part borné. Parce qu'il est scientifique, il s'occupe des aspects scientifiques. C'est le président qui a une vue sur les aspects économiques, les aspects sociaux, les aspects sécuritaires, les aspects géostratégiques, les aspects diplomatiques. Donc quelqu'un qui a une vue globale est plus à même de connaître la décision qui est la plus bonne, qui est la meilleure pour le pays. Donc ça, j'aimerais vraiment que ce soit très bien compris. D'autant plus que, en cas d'épidémie, au début, le scientifique peut commander les décisions. Mais quand l'épidémie dure du fait de ses différentes implications, ce sont les réalités du terrain qui commandent les décisions à prendre. Vous voyez, même sur le plan scientifique, on sait que la prise en charge à domicile, ce n'est pas préférable dans notre mode de vie. Mais on arrive à une situation où il faut le faire parce qu'il y a des malades qui refusent de venir se faire traiter à l'hôpital.
du fait parfois de la stigmatisation et d'autres facteurs, mais on ne doit pas les abandonner, on doit les prendre en charge. On ne peut pas aussi mettre l'accent sur ces patients quand nous avons une tension au niveau des lits ou qu'on risque de ne pas hospitaliser des gens qui ont des facteurs de risque. Donc, il faut être souple, mais expliquer clairement, sereinement et honnêtement les décisions qui sont prises ainsi que les changements. Donc, voilà la réponse très honnête que je donne à M. Al-Hassan Ba. Ceci dit, je voudrais terminer en remerciant le chef de l'État, le ministre de la Santé et de l'Action sociale, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, toutes les institutions étatiques et non étatiques, l'Institut Pasteur de Dakar, qui est vraiment mon partenaire privilégié dans le domaine de la recherche. Je remercie personnellement le docteur Amadou Alpha Sall, le docteur Fabien Taïeb, avec lesquels je travaille quotidiennement sur nos projets de recherche. Mes collaborateurs, parmi lesquels mes deux points focaux nationaux, le colonel Papsamba Ba de l'hôpital principal de Dakar, le docteur Ndeye Aissatoullah, qui est au service des maladies infectieuses, qui ont sillonné tous les pays pour nous aider vraiment à mieux prendre en charge cette épidémie sur le plan du traitement et du suivi. Je remercie la presse pour leur accompagnement dans la sensibilisation. Je remercie tout le peuple sénégalais pour leur accompagnement et leur prière, en disant que la communauté fait beaucoup d'efforts. Moi, j'en suis convaincu malgré toutes les critiques. Nous devons quand même continuer à faire de la sensibilisation. Je vous remercie de votre attention. Je vais maintenant passer la parole au docteur Amadou Alpha Sall, administrateur de l'Institut Pasteur de Dakar.